Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube assez courte puisqu'on va parler d'une nouveauté que Disney Dreamlight Valley vient d'annoncer à l'instant. Donc la vidéo va pas durer très longtemps puisque c'est vraiment une toute petite annonce, mais si jamais ça vous intéresse, ce genre de petit format vidéo YouTube pour vous annoncer une petite nouveauté, j'essaierai de le faire à chaque fois qu'il nous lâche une petite bombe comme ça. Mais à contrario, si vous préférez plutôt que je fasse ça en post, en TikTok ou même juste en annonce Discord, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, je tente le coup. Et n'hésitez pas du coup à me dire si vous préférez une petite vidéo comme ça pour annoncer la nouvelle ou un post, un TikTok ou autre. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour la nouveauté, on se rend comme d'habitude sur le Twitter de Disney Dreamlight Valley. J'ai activé les notifications pour voilà être alerté au plus tôt dès qu'il y a un nouveau tweet. Et du coup, on a la petite nouveauté qui est annoncée pour la mise à jour numéro 5. Alors c'est vraiment un truc tout minime, hein, mais je me dis c'est toujours ça et ça peut amener à certaines choses, à penser à d'autres accessoires comme celui-ci. Donc je vous montre ça tout de suite. Et donc voici la nouveauté avec le tweet citant « Les pluies d'avril apportent les fleurs de mai ». Donc bien qu'on doit attendre la fin du mois d'avril pour les pluies, on pourra avoir lors de la prochaine mise à jour, donc numéro 5, qui est prévue début de l'été, donc on n'a pas vraiment de date encore, on pourra avoir un petit parapluie, donc vraiment un accessoire pas très utile je trouve, mais ça apporte toujours un petit peu de nouveauté dans le jeu, pour la mise à jour numéro 5. Donc voilà, dès qu'il pleut, dès qu'il y a un petit peu d'averse, on pourra... Pour le style, je pense avoir un parapluie sur les épaules. Donc c'est une nouveauté certes pas très pertinente, mais je trouve ça toujours intéressante d'avoir ce genre de petite nouveauté à côté d'une grosse nouveauté qui sera la mise à jour. Ça rajoute toujours un petit peu de contenu au jeu. Je trouve ça cool et je me dis bah, pourquoi pas rajouter, en parlant de météo, d'autres accessoires en rapport avec la météo aussi. Et pourquoi pas aussi, ce serait cool bah, d'avoir les prévisions météo, savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir dans la vallée. Parce que c'est vrai que des fois, il pleut 3 jours de suite, on en a un petit peu marre. Donc ce serait bien aussi de pouvoir peut-être soit changer la météo, soit la voir en avance pour prévoir, etc. Ça pourrait être cool. Et du coup, ouais, je me dis pourquoi pas avoir d'autres accessoires dans ce style. Je sais qu'il y a déjà les bonnets, casquettes, etc. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais ouais, un truc en rapport avec plusieurs saisons, ça pourrait être vraiment cool. Et donc voilà pour cette petite nouveauté. Donc la vidéo est très très courte, mais au moins je vous présente tout ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres assez vite pour que je vous tienne informé. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que cette petite nouveauté qui arrivera lors de la future mise à jour vous plaît. Moi je trouve ça cool, donc j'ai très hâte de voir s'il nous réserve d'autres surprises comme celle-ci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est toujours une forme de soutien. N'hésitez pas également, si ça vous intéresse, à venir me rejoindre sur Twitch. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on recommence une nouvelle partie sur la Switch, là actuellement. Et on fera, comme d'habitude, les futures mises à jour ou les futurs gros événements en live sur Twitch, en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si ça vous intéresse également, je vous mets le lien de mon serveur Discord où on papote pas mal de Disney, d'entraide, d'actualité, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant la prochaine vidéo et peut-être la prochaine petite nouveauté, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous tout le monde.